Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le tuto du singe que vous attendez tant. Bon bah désolé pour le retard et tout, hein, parce que j'avais proposé ça à 300 vues. Mais maintenant la vidéo elle atteint 1000, je ne sais plus trop combien de vues. Bon bah je vais pas perdre de temps avec ça, je vais directement commencer le tuto tant attendu. Bon, en fait, tout commence au nez. Alors, le nez, c'est le centre du dessin. Commencez par faire les narines en faisant des genre de gouttelettes. Vous les continuez comme ça. Voilà. Vous les colorez si vous voulez. Moi, je les préfais déjà comme ça. Je repasse en noir comme ça, vous voyez un peu. Après, vous faites le tour comme ça du nez. Voilà. Je vais le faire étape par étape. Hein. Là. Après, placez un trait pour pouvoir mesurer un peu la grandeur de la bouche par rapport à là et là. Hein. Comme ça, c'est pas trop grand. Un autre trait ici. Formez ça bien comme ça. Voilà. Après, la bouche. Voilà. Très simple à faire, non? Les yeux. C'est ça qui va donner le regard, la beauté à votre dessin. S'ils sont bien faits, bah, votre dessin, je pense, il sera réussi quand même. Là. Peintez en forme de. Vous le faites comme ça. Comme ça. Voilà. Faites un truc comme ça et vous partez là. Là, je sais pas si vous voyez là. Comme ça. Mais en fait, comme ça. Et ça, vous le faites des deux côtés. Là, comme je vous l'avais dit, bon, j'essaie de faire un peu les yeux qui se ressemblent. Hein. Voilà, ça se ressemble à peu près. Il y en a un plus grand que l'autre. Bon, c'est pas grave. Après, la deuxième étape. La deuxième étape consiste à faire ses poils. Hein. Voilà. Fait des formes comme ça en partant de sa bouche en remontant à la moitié des yeux. Hein. Voilà, comme ça environ. À peu près. Après là, vous faites la même chose de l'autre côté. Hein. Voilà. Finissez aux yeux. Les oreilles, c'est quand même le truc pour moi le plus difficile à faire, mais bon. Les oreilles, vous partez à partir de l'œil. Commencez ici, voilà. Et vous le terminez juste en dessous. Juste en dessous des poils que vous lui avez fait. Là, pas trop grande, pas trop petite quand même. Bon là, je crois que je les ai ratés. Mais bon, c'est pas grave. Vous faites un cercle. Voilà. Terminez comme ça. Bon, je pense qu'il est raté un peu quand même, non? Mais bon, c'est pas grave. Bon, l'important c'est que je vous montre comment le faire. Ah oui, j'ai oublié les yeux. Un cercle et un petit cercle à l'intérieur, comme ça. Un cercle et un petit cercle. Bon, là il bigle un peu, mais bon. Voilà quoi. Faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà. Bon, je suis pas vraiment habitué à faire de tutos. Hein. Je pense que je vais m'améliorer avec le temps. Pensez à dire ce que je dois améliorer, ce que je dois faire. Si, oh, bon, il y a le crâne déformé, hein. C'est pas grave. Mais vous, je pensais que vous avez plus vous appliquer que moi là à faire ce superbe singe. Hein. À partir d'ici, on va faire commencer à faire son bas du corps. Portez comme ça là. Du trait courbé et vous arrêtez comme ça. Voilà, vous faites un deuxième trait courbé. Voilà, il ressemble pas à grand chose. Hein. Et à partir de là, quand vous avez fait ces deux épaules, tracez un trait qui touche son menton mais qui ne touche pas les deux épaules. Et à partir d'ici, vous pouvez commencer à tracer le pouce. Voilà. Et
rejoindre. Voilà. Les pouces sont tracés. Faut tracer la petite pancarte. Après, les doigts comme ça là. Voilà. Là. Là. Bon là j'ai quand même fait rater le dessin. Hein. Voilà, et voilà. Bon, je vais pas continuer le dessin, je vais montrer sur, sur le singe lui-même. Hein. Après, vous avez tracé les épaules là. Après, vous avez tracé les pouces. Et quand vous avez fini de tracer les épaules et les pouces, vous tracez le trait qui rejoint ça. Vous tracez là les petits doigts. Et vous gravez ce que vous voulez dans la petite pancarte. Après, vous faites des petits effets autour du singe pour le rendre plus beau. Hein. Pas là, je pense. Ouais, super. Là, je peux les effets. Bon, bah, je crois que le tuto est terminé. Je sais pas si vous avez bien compris. Je vous laisse et à bientôt.